Si vous êtes resté avec nous depuis 18h15 en direct, c'est qu'on a su vous, entre guillemets, accrocher sur les sujets qu'on vous présente et qu'on veut les plus variés et les plus intéressants possibles. Et puis si vous nous rejoignez maintenant, c'est certainement que vous avez zappé un petit peu à droite à gauche et que vous vous êtes dit finalement, c'est pas mal sur LCN La Quotidienne parce qu'on a de l'info locale, on a de l'info régionale, on essaie, une bonne ambiance plateau, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de sujets, ça alterne des sujets légers, des sujets graves. Comme hier soir, on parlait du handicap et de l'insertion des gens atteints de handicap dans l'entreprise, voilà, beaucoup de choses pour vous toucher sur toute votre vie quotidienne, votre vie locale. Merci à vous, en tout cas, de nous suivre de plus en plus nombreux dans La Quotidienne sur LCN tous les soirs. Félix, on va justement enchaîner avec une belle œuvre, celle du monsieur dont on va rappeler le nom, qui se trouve à côté de moi. Une figure emblématique. Ah oui, juste on me dit, excusez-moi Félix. Retour sur le graffeur, voilà. Où est-ce qu'il en est notre graffeur? Il avance bien. Ça avance très très bien. Là, ça commence à être polychrome. Polychrome, il en envoie un peu toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est à votre avis, Félix? C'est sa figure fétiche avec LCN en arrière-plan. On voit sent les bombes jusqu'ici. Ah oui, on sent les odeurs. On voit le L, le C en vert, le N en bleu clair. Et en fait, ça rappelle un petit peu. On voit qu'il y a un air de famille avec les deux belles œuvres du graffeur connu qui se trouvent derrière nous. Hein, des planètes et puis des familles. Voilà, c'est les deux thèmes qu'il affectionne. Je reviens sur Dab de la Porte, qui est le président et le fondateur de l'association Bouchon 276. Bonsoir Dab. Bonsoir. Et qui est un fidèle téléspectateur de la chaîne Normande. On est d'autant plus ravis de le recevoir. Il faut savoir que son association fête ses 10 ans cette année. Et voilà, très simplement, avec ses petits bouchons, Dab de la Porte et tous les bénévoles ont permis de récolter 300 000 euros depuis 10 ans qui sont reversés aux personnes en situation de handicap. Exactement. On peut résumer ce parcours, ces 10 ans. Racontez-nous comment ça s'est fait, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure, comment vous avez drainé des bénévoles avec vous. Eh bien, c'est vrai que ça a démarré tout doucement sur Rouen au départ, avec un sac de bouchons. Et petit à petit, il y a des personnes qui m'ont rejoint, la secrétaire, le vice-président. On avait un point de collecte et puis on a grossi. On a un collègue qui nous a rejoint aussi du Havre, Christian Thomas, un autre collègue qui nous a rejoint dans l'Eure. Et maintenant, on a entre 60 et 80 bénévoles qui collectent toute l'année ces bouchons en plastique. Et il faut savoir qu'en moyenne, on arrive entre 200 tonnes de bouchons par an collectés. C'est vraiment une association qui a une double utilité, si je puis dire, solidaire et écologique. Voilà, c'est une action de développement durable déjà, puisque ces bouchons en plastique sont recyclés, donc nouvel usage. Et en plus, avec l'argent récupéré de ces bouchons en plastique, une tonne de bouchons actuellement, c'est 250 euros. On finance des aides pour les personnes en situation de handicap dans tous les domaines. Exemple d'aide que vous pouvez apporter à ces gens-là. On finance du matériel pour des personnes non-voyantes, pour des problèmes malentendantes, des aménagements de salles de bain, des aménagements de voitures, des rampes d'accès. Bref, c'est vraiment très diversifié. Et vous pouvez nous expliquer alors comment vous vous y prenez pour récolter tous ces bouchons? On a vu des images dans les entrepôts, c'est assez impressionnant, c'est très visuel d'ailleurs. Et voilà, quel est le parcours de ce bouchon? Alors le parcours, c'est très simple. Le public dépose ses petits bouchons dans les points de collecte. Il y en a 350 en Normandie. On peut les retrouver sur notre site internet. Ça ressemble un peu à ça? Voilà, c'est tous les bouchons, tous les couvercles, vraiment dans tous les domaines. Aussi bien les couvercles en chocolat, les pâtes à tartiner, les ketchup, les moutardes, les mayonnaises. 350 points de collecte. Ces bouchons reviennent ensuite dans nos dépôts. Il y a 3 dépôts actuellement en Normandie, Le Havre, Rouen et un autre qui se trouve à côté de Broglie. Et donc, une fois par mois, en l'occurrence pour Rouen, on fait partir un camion de bouchons de 14 tonnes de bouchons. Ces bouchons sont recyclés dans l'Oise, chez un recycleur. Et donc, ils deviennent quoi? L'utilité? Ils deviennent de nouveaux produits en plastique, des salons de jardin, des tubes en plastique, des sièges rehausseurs pour les enfants, des pare-chocs de voiture, bref, de nouveaux produits en plastique. Et nous, on touche donc 250 euros par tonne de bouchons. Et 100% de cette somme est reversée en intégralité aux personnes en situation de handicap qui habitent en Normandie. Et vous êtes tous bénévoles, hein. Il n'y a pas de salariés. Et on est tous bénévoles, il n'y a que des bénévoles dans l'association Bouchon 276. Donc Sylvain, vous avez eu une tonne, seulement 250 euros, donc il faut y penser, il en faut beaucoup pour que Dab de la Porte puisse aider un maximum de gens. Demain, vous serez au conseil régional. Tout à fait, demain nous allons fêter les 10 ans de l'association, on va fêter les 1500 tonnes de bouchons récupérés en ces 10 ans. Pratiquement 200 000 euros, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ces aides ont été reversées à 347 personnes qui habitent en Normandie. Donc on va fêter tout ça et on va faire des nouvelles aides puisqu'on va aider 33 personnes demain. On va verser un peu plus de 60 000 euros au conseil régional. Et il faut savoir que cette cérémonie sera retransmise sur Internet. Et pour connaître le lien, il suffit d'aller soit sur notre site Internet, soit sur notre page Facebook. Il y a le lien pour suivre la cérémonie en direct à partir de 18h.
Comment peut-on bénéficier de ces aides quand une personne en situation de handicap voudrait vous solliciter? Quelle est la procédure? Avec plaisir, il suffit de nous contacter via Internet en allant sur notre site Internet dans la rubrique Contact. Et là, il y a nos coordonnées pour nous envoyer un mail. Sylvain? Oui, je voudrais juste revenir sur une chose, les origines d'Ab de la Porte. Comment c'est venu au tout début cette idée avec des produits comme ça qui sont banal. Comment on a eu l'idée justement de s'en servir pour nourrir cette œuvre? Il y avait une émission à la télé, il avait proposé que si on avait un hangar à disposition, on pouvait collecter les bouchons pour lancer cette opération. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mon employeur avait mis à l'époque gratuitement à disposition un local. Et donc ça a vraiment démarré tout doucement, puisque la première année on n'avait que quelques tonnes de bouchons bien sûr, et maintenant on est parti dans les 200 tonnes par an. Et ça se fait aussi dans toutes les régions de France? Ça se fait dans toutes les régions de France, ça dépend des associations. Il y en a certaines qui font 10 tonnes, d'autres qui font beaucoup plus. Ça dépend vraiment des associations et de l'application des bénévoles. Félix disait tout à l'heure que c'était très visuel, très graphique. Quand on les voit comme ça par monceaux et par tonnes, ça fait des volumes extraordinaires. Ça ne vous a pas donné l'idée de créer une performance artistique, une œuvre remarquable avec tous ces bouchons? Il y a des étudiants qui sont venus chercher des bouchons pendant l'Armada, ils voulaient faire quelque chose, des étudiants de l'école d'architecture. On n'a pas eu la suite, mais c'est vrai qu'ils sont venus chercher des bouchons pour faire quelque chose avec ces bouchons. Il faut savoir qu'il y a des robes, par contre, des robes qui ont été faites avec des bouchons collés dessus. Entièrement en bouchons, oui, d'accord. Et c'était pas forcément Paco Rabanne qui les a faites. Hein. Tout à fait. Donc, laissons-lui la tête dans les étoiles à celui-ci, si je puis dire. Donc, je voudrais simplement, parce que c'est sérieux, parce que c'est important, parce que ça touche le handicap, et vous savez à quel point on y est tous sensibles, et il faut qu'on le soit de plus en plus, la société n'en sera que meilleure. Je voudrais simplement, vous qui nous regardez, que vous vous en souveniez de cette action, et je voudrais vous donner un petit truc visuel en justement proposant à nos trois invités, enfin à Félix et puis à nos deux invités, Amélie, on va vous présenter juste après, de réaliser, voyez, cette petite pyramide. Vous avez très très peu de temps. À mon top, vous allez réaliser cette petite pyramide. Le meilleur sera celui, bien sûr, qui l'aura fait dans le moins de temps. 3, 2, 1, top. Allez-y. Ouais, Amélie bon. Est bien partie, Dab de la Porte. Bon. Dab de la bon. Porte a terminé, bravo. Forcément, c'est... Il maîtrise. Il maîtrise. Je m'entraîne. Voilà. Donc, Amélie est pas mal. Alors, aussi. Premier Dab de la Porte, deuxième Amélie et troisième Félix. C'était quand même pas mal, Félix. C'était pas mal. Voilà, on passe au sujet suivant. Et puis, juste avant, justement, d'aller au sujet suivant, un petit coup d'œil, Félix, où on est... Il n'y a pas de graphe. Bon, écoutez, il n'y a pas de graphe. C'est pas grave. Non, il n'a pas fini, mais on va le retrouver tout à l'heure. On passe au sujet jardinage. Oui. On présente rapidement Amélie Leray qui va nous parler du festival This is England, un festival dédié au court-métrage anglais. On revient juste après la chronique de Rodolphe. À vous. Voilà, vous voyez beaucoup de choses, des bouchons, des graphes. Vous allez voir maintenant un jardinier. Et avec, alors, extraordinaire, l'homme du sport, Régis Legrand, l'homme qui est la terreur de tous les stades. J'espère qu'il ne sera pas ce coup-ci la terreur de Rodolphe le jardinier. Regardons. En effet, donc on est au milieu donc, de ce jardin, en tout cas au milieu de ces sapins, avec Rodolphe. Bonsoir. Alors, on va parler des sapins, mais évidemment, c'est l'arbre de cette fin d'année, mais ça n'a pas toujours été le cas. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Alors, bon, on va parler du sapin de Noël. Donc, pourquoi on a pris le sapin de Noël? C'est un conifère, donc effectivement, un conifère, à cette époque de l'année, le conifère, c'est le seul arbre qui a de la vie. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris pour faire le sapin de Noël. Chez nous, en France, on va dire, c'est grâce un petit peu, malheureusement, après la guerre de 1870, avec les immigrants d'Alsace-Lorraine, qui ont eu, qui avaient déjà le... Pardon, parce qu'ils me troupent derrière, c'est pour ça. Donc, eux, ils avaient l'habitude, évidemment, dans la sapin. Ils avaient déjà adopté cette coutume chez eux, donc de mettre un arbre dans leur maison. Et comme ils ont immigré partout en France, ils ont apporté cette coutume-là chez nous. Et c'est grâce à eux qu'on met maintenant le sapin de Noël dans nos maisons. Alors, on rappelle, au départ, c'était décoré, non pas avec des objets en plastique, mais vraiment avec des fruits, avec les pommes de pin, beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il y avait au départ. Voilà, puisqu'il n'y avait pas toutes ces boules artificielles, tout ça. Donc, on mettait des pommes, du pain d'épices, on faisait des petits gâteaux et on décorait le sapin comme ça. Et bien sûr, toute décoration par rapport aux régions, quoi. Hein, c'était adapté. Le zèbre va faire tomber l'épicéa. On va le tenir, celui-là. On va le tenir, donc, voilà. On parle d'épicéa, donc il y a deux sapins qui sont aujourd'hui les stars donc, des maisons. Vous avez l'épicéa, celui-ci, et puis le Norman. On va commencer par le plus grand. Il y a un peu de monde. Il est grand, il est là le plus grand. C'est lui le plus grand. Donc alors, on commence par l'épicéa, c'est les petites aiguilles qui piquent. Alors les petites aiguilles qui piquent, mais l'avantage de l'épicéa, c'est que c'est vrai qu'il sent vraiment le sapin. C'est vrai que celui-ci, c'est mon préféré, il sent vraiment le sapin. Donc après on a le Norman qui lui, il garde ses épines.
Bon, ils sentent un tout petit peu. C'est sûr que bon, quand on les achète près de chez soi, bah, ils gardent tous les deux une belle odeur parce qu'ils viennent juste d'être coupés. Ceux-là, ils ont été coupés ce matin, donc automatiquement, il y a une bonne odeur. Donc, je vais parler un petit peu comment ils sont cultivés. C'est-à-dire qu'à la base, le sapin de Noël, c'est-à-dire ces variétés-là, sont semées dans des grandes serres. Et après, ils sont mis dans une grande plaine, donc distancée à peu près d'1 mètre, 1 mètre 50. Et il faut savoir qu'un sapin comme ça, bon, c'est à peu près 3-4 années à peu près de pousse, en sachant que le Norman, lui, à peu près, pousse le double, à peu près. Hein. On est donc ça explique 8, aussi l'écart, entre guillemets, de prix. C'est vrai qu'on on a des sapins qui, a priori, bah, sont tous les deux sur la même base, mais il y en a un qu'il faut, on met plus de temps donc, à l'obtenir, donc forcément, il y a un prix différent. Voilà, tout à fait, Régis, c'est pour alors, ça. Ouais. Des conseils pratiques sur cet épicéa, voilà, celui-ci, parce qu'on dit, voilà, il semble très bon, mais... Des fois, il perd un peu ses aiguilles. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, faut essayer de l'acheter chez son petit producteur qui va vous dire exactement, lui, il l'a coupé à peu près à telle époque. Surtout, faut éviter de mettre l'épicéa l'épicéa près d'une source de chaleur. Hein, faut éviter. C'est joli à côté de la cheminée, mais c'est pas là qu'il faut le mettre. Ouais. Mais bon, voilà, c'est coupé. Non, voilà, on est toujours ensemble. Ah, d'accord. Donc oui, je disais, c'est joli à côté de la cheminée. Eh ben, le problème de la cheminée, c'est qu'il va faire 25 degrés et l'épicéa, c'est vrai qu'il n'a pas trop l'habitude d'avoir une chaleur intense comme ça. Il aime bien les 10-15 degrés. Donc c'est vrai que bon, il faut éviter quoi, de le mettre près d'une source de chaleur. Le Norman, lui, il y a moins de problèmes parce qu'il ne perd pas ses épines. Donc hein. L'élément, c'est le Norman, on peut l'acheter maintenant. L'épicéa peut-être attendre une petite semaine. Oui, voilà, oui, à peu près le 8-10 décembre à peu près. Voilà. Voilà, vous en savez plus, Sylvain et Félix, sur les sapins. On retrouvera Rodolphe, évidemment, la semaine prochaine. Merci. Oui, merci beaucoup, Régis Legrand. Je note d'ailleurs que quand vous êtes sur le plateau A avec Rodolphe, le jardinier de LCN, il se passe des effets visuels un peu bizarres. Il y a des personnages qui apparaissent, on ne sait pas trop ce que c'est. Je crois d'ailleurs que si vous nous regardez, vous comprendrez tout à l'heure, on parlera de vaches folles. Et là, tout, par magie, va justement s'éclairer. On a commencé hier à partir en voiture, en 4x4, vers le sud de la France, ensuite l'Espagne, et puis on ira jusqu'au Maroc. C'est ce récit du rallye Rose des Sables qui est suivi par un équipage féminin, Yaël Le Marchand notamment, et suivi par notre caméraman de LCN, Christian Foutrel. On vous en donne un écho chaque soir, et c'est un deuxième épisode ce soir. On regarde ensemble. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Nissan Rouen. Nous sommes ici au briefing de départ, au vrai briefing. Avant ça, nous avons réalisé sur la côte basque, donc à Cibourg, les vérifications techniques et administratives. Puis, il y a eu cette descente d'Espagne par la route pour arriver au détroit de Gibraltar que nous allons franchir demain matin aux aurores, c'est-à-dire dès 6 heures. Et à ce moment-là, on va attaquer les pistes marocaines. Donc vous allez partir avec un crédit de points sur chaque étape. Donc vous partez déjà avec des points, c'est-à-dire 1000. Le but du jeu, c'est de les garder. Alors, les CP virtuels, ce sont les CP qui sont validés par le passage dans une zone grâce au système IRITRAC, c'est-à-dire les boîtiers qu'on vous a installés dans les véhicules. Nous avons eu aujourd'hui les dernières recommandations pour pouvoir rejoindre le territoire marocain, pour que tout se passe bien sur la route. Et nous avons eu le roadbook, le premier roadbook, donc qui va nous permettre de rejoindre les régions d'Erachidia une fois passé le bateau. Donc en fait, un roadbook, c'est un petit bouquin en fait, qu'on a avec nous, qui nous explique les étapes à franchir. Si vous voulez, ça explique avec des cases, des chiffres qui représentent les kilomètres à passer, avec des petites explications, avec des dessins, pour nous expliquer en fait le cap, la direction. Avec ça, en fait, on se dirige pour aller d'un point A à un point B. Les femmes ont le droit, je pense, comme les hommes, de venir s'éclater et entre elles. Nissan Rouen vous a présenté le trophée Rose des Sables. Plus on va progresser dans la semaine avec Yaël et son équipage, et plus la chaleur va s'intensifier. Le soleil est là, ça nous fait du bien d'ailleurs avec ces météos de cette semaine qui ne sont pas terribles, en tout cas un peu fraîches. Oui, des images du graffeur, c'est ce que je cherchais à vous dire. Je savais bien qu'il fallait qu'on retourne en plateau A. Regardez, on voit où il en est, notre graffeur.
Le graffeur connu, je le précise, hein, c'est pas qu'il est connu, c'est que c'est il son l'est nom. Aussi, mais c'est son pseudo. C'est le graffeur connu. Connu parce que K-O-N-U. Vous voyez, voilà, il a accepté de faire cette performance artistique en direct. C'est très classe. Hein. Voilà, c'est très très chouette. Il l'a dédicacé à la chaîne et on l'en remercie. Par contre, Sylvain, je ne sais pas, vous, la tête, ça ne tourne pas trop. Les odeurs, les effluves de la bombe, on les sent. Hein. Ça va date de la porte. je vous sens planer, là. Je vous sens, vous êtes dans un état second. Vous me disiez pendant le reportage sur la Rose des Sables, « Oh, je suis bien, ici, je suis bien. » Je vous soupçonne d'inhaler des substances un peu bizarres. Ouais. Eh bien, pas d'inquiétude, ce sont les bombes et les effluves des bombes de peinture du graffeur connu. Amélie Loré, vous, ça va? Ça va. Ça va? C'est oui. Pareil, vous planez un peu? Un petit peu, mais bon, ça détend. C'est pas... On est bien sur la quotidienne, hein, on est bien sur la quotidienne. Alors Félix. Écoutez, on a le plaisir de recevoir Amélie, qui est attachée de presse du festival This is England, dont c'est la deuxième édition, qui a commencé hier et qui se finit samedi. Donc, dans les grandes lignes, quel est le projet de ce festival qui est dédié au court-métrage anglais? Eh bien, il a été créé par une association, le Rouen Norwich Club, qui est donc le comité de jumelage entre Rouen et la ville de Norwich. Cette association qui est née il y a 52 ans voulait redynamiser un petit peu son action en proposant un nouveau rendez-vous culturel à Rouen et donc par là illustrer aussi les relations historiques célèbres entre la Normandie et l'Angleterre. C'est compliqué de faire venir des réalisateurs anglais, des courts-métrages anglais, où ils sont fiers et très contents de présenter leur œuvre aux Français? Oui, ils ont été ils ont répondu présents dès la première édition l'an dernier. On a reçu beaucoup de courts-métrages, des réalisateurs sont venus à la rencontre du public. Et c'est pareil cette année, donc non, c'est vraiment un rendez-vous qu'ils ne veulent pas manquer, en fait, curieusement, alors que c'est tout nouveau. Ce sont des réalisateurs plutôt jeunes ou il y a des réalisateurs confirmés? On a... Moi je comprends pas parce que d'habitude quand on est les présentateurs et qu'on pose des questions aux invités, les invités sont très polis et ils regardent. Et alors là j'ai les yeux dans les yeux justement d'Amélie et puis les yeux d'Amélie vont de droite à gauche. Alors je comprends pas et je vois effectivement dans le retour des trucs qui sont pas possibles derrière pendant ce temps-là. D'accord. Le temps passe. Alors, c'est la vache folle. C'est voilà, la qui vache folle. Commence à nous toujours la vache folle. On est plutôt sur des jeunes talents anglais ou il y a quelques réalisateurs confirmés? Il y a de tout. Il y a des réalisateurs qui nous envoient leurs travaux universitaires, par exemple, mais aussi vraiment des talents confirmés, puisque par exemple le gagnant de l'an dernier, Michael Davis, avec son court-métrage Love at First Sight, avait été présélectionné pour les Oscars du court-métrage. Donc, This is England, c'est un hommage au superbe film de Shane Meadows, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un très joli film qui raconte l'histoire d'un jeune anglais qui sort un peu violemment de l'enfance en rencontrant et en suivant un groupe de skinheads. Et à l'instar de beaucoup de films anglais qui parlent de sujets de société, on rit, on pleure et on réfléchit beaucoup. Est-ce que c'est la vision que vous avez des films anglo-saxons, britanniques? Oui, complètement. Et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir avec la sélection qu'on a faite. Déjà il y a tous les genres, animation, fiction, documentaire, et on passe par toutes les émotions quoi. Je découvre les films en même temps que le public, et hier soir j'ai vu de tout, du triste, du drôle, de l'amour, enfin de tout. Il y a peut-être le futur Ken Loach parmi les réalisateurs que vous avez programmés sur ce festival, vous l'espérez? Peut-être, bien sûr, oui, si un talent est dévoilé à Rouen, c'est magnifique. Juste quelques rappels pratiques, donc 40 courts-métrages, on peut les voir quand, ça coûte combien, quelques infos pratiques donc, pour conclure. Tous les soirs à 20h, sauf samedi, c'est 19h30, la cérémonie de clôture, tarif donc 6,50 plein tarif, 5,50 tarif réduit et 4€ pour les moins de 26 ans. Merci beaucoup Amélie. Voilà. Eh bien écoutez, comme on est en direct, Amélie Loré, je vois qu'il est 19h, donc ça veut dire que ce soir à 20h, on peut y aller tous ensemble? Bah oui, bien sûr. Eh bien très bien, on ira avec plaisir, ça nous donne envie, vous savez pourquoi? Parce que dans le cours, on en parlait tout à l'heure, un peu off, je crois que les Anglais hein, sont bons, et notamment il y a l'English touch, la humor touch, l'humour anglais bien sûr, et ça donne envie, ça donne envie. Vous prenez le train ou la voiture Amélie Loré? Le bus. Et voilà, c'est ça. Quand je vous pose une question, vous ne me regardez pas. Quand je vous demande si vous prenez le train ou la voiture, vous me dites le bus. Vous êtes très contrariante. Vous ne seriez pas un peu anglaise, finalement? Non, un peu british. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez un style un peu british, hein? Peut-être. Mais c'est un compliment, hein, en tout cas, dans ma bouche. En tout cas, prendre le train plutôt que la voiture, c'est citoyen. C'est bien sûr le thème de la Minute de l'Environnement. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. J'habite à 150 km de mon lieu de travail et pour m'y rendre, j'utilise quotidiennement le train.
J'ai choisi de prendre le train pour un gain de temps, un gain d'énergie. Je peux mettre à profit ce temps-là pour mon temps personnel, lire la presse, lire des livres avant de m'endormir dedans, et également utiliser mon temps pour finir des travaux personnels, des travaux professionnels, ou également discuter avec des amis. Enfin, utiliser tout ce temps-là que j'économiserais pas si j'étais au volant. C'est éviter le risque d'accident de la route, éviter d'arriver au travail également fatigué par toute la tension qu'on a eue en conduisant. Prendre le train est également un gain d'argent. J'ai un abonnement annuel, en partie financé par mon employeur, en comparaison avec l'utilisation d'un véhicule qui comprend le péage, l'essence, l'assurance, l'entretien. Je suis largement gagnante à utiliser le train quotidiennement. Le trajet est direct, j'évite ainsi les aléas liés à la circulation de la route et je me laisse plus de chances d'arriver à l'heure au travail. Ce moyen de transport me permet également de choisir la ville dans laquelle je travaille et la ville dans laquelle je vis, même si elles sont éloignées. Prendre le train pour moi chaque jour est un gain de temps, une économie d'argent et un confort personnel. Et je ne néglige pas non plus l'aspect propre et écologique de ce mode de transport. C'était la Minute de l'Environnement avec la région Haute-Normandie. Je crois qu'on va enfin, tous ensemble, vous et nous ici sur le plateau, avoir la révélation de ces phénomènes un peu bizarres. J'ai cru que c'était du paranormal tout à l'heure, mais non. J'ai vu des têtes apparaître derrière les sapins de la chronique de Rodolphe. J'ai vu que ça avait l'air humain. Tout à l'heure, il y a des individus qui sont passés derrière... Pourquoi vous me regardez comme ça, vous ? C'était pas nous. Non, on écoute sagement. Ah bon, vous écoutez sagement. Bon, vous allez nous calmer. Bon, alors, il faut nous expliquer. On accueille avec grand plaisir François Leroy. François Leroy. Merci beaucoup. François, juste avant que je revienne sur vous, ça vous dirait de voir... Les phénomènes étranges continuent, mais c'est pas grave. Vous voulez voir où on est le graffeur, François ? Ben oui. Eh ben, on jette un coup d'œil au plateau A, où on est le graffeur. Voilà, le graffeur connu. Ben voilà. Non, vous pouvez rester. Tu peux rester dans le cadre. Donc, il est en train, vous voyez, en à peu près 45 minutes, il a... Venez, en moins de 45 minutes, il a réalisé un graphe de belle taille sous nos yeux, avec son style, qui est reproduit sur les belles toiles, d'ailleurs, qu'il a apportées pour habiller. C'est pas facile. Alors, Sylvain, vous avez vu, François vient pas souvent en plateau, non. Mais quand il vient avec du monde et du beau monde. Voilà. Non, mais je voulais simplement dire qu'on était heureux d'avoir François Leroy en plateau. C'est l'un des cadreurs réalisateurs de la chaîne Normande. Vous êtes plus souvent derrière la caméra que devant. Exactement. Et ben là, mon vieux, il faut assurer. Devant la caméra, c'est une grande première pour moi ce soir et pas facile à gérer. Alors, donc, je suis encadré de la vache folle. Expliquez-nous. Alors, la vache folle, c'est la fanfare de la fac de médecine. Voilà. Donc, fac de médecine de Rouen. J'ai ici le président et le trésorier. D'accord. Donc, ils vont se présenter tout simplement. Marco et Clément. Oui, Clément, c'est moi. Je suis le président de cette année de la vache folle. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Et Marco, toi, instrument ? Trompette. Trompette. J'en ai adopté un, François. J'en ai adopté un. Ils sont assez dociles. Il m'a l'air gentil. Il m'a l'air tout gentil. Hein. Ils sont assez dociles. Gentil. Et donc, Marco, trésorier. Alors, ça passe devant les caméras. De la vache folle pour cette année. Au subassophone. Attendez, on va organiser. Vous savez, c'est comme sur les passages piétons, François. Excusez-moi, c'est un peu déstructuré. Les voitures attendent que les piétons passent. Ils sont durs à canaliser. Là, nous, on attend pour continuer que les membres de la vache folle passent devant les caméras. C'est bon ? Eh bien, continuez, François. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, vache folle, création 2001. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Aussi dans la succession d'Orphéon Piston, une tradition rouennaise de fanfare. C'est dans la tradition des fanfares étudiantes. Que ce soit en médecine, en archi, en école des beaux-arts, etc. La vache folle, c'est médecine pour moi. Médecine santé, donc c'est les infirmières, les sages-femmes, etc. Ça s'écrit d'une manière un peu bizarre aussi. Hein. C'est pour le côté international, ça. Oui, c'est ça. C'est V-A-S-H-F-O-L, vache folle. D'accord. Voilà. Donc ça, à la base, c'était la fanfare étudiante médecine. Après, c'est une fanfare qui est ouverte aux non-médecine aussi et aux non-étudiants aussi. D'accord. Donc voilà. Okay. Très bien. Totalement gratuitement. Totalement gratuit. Bien sûr, donc vous êtes aussi une association de loi 1901, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas, mon cher François. Non, bien sûr, j'ai fait des recherches. Très bien. Champion de France des fanfares de médecine. Champion international. International. Alors, expliquez-nous, ça marche comment ? Comment on juge une fanfare ? C'est international parce qu'il y avait une fanfare allemande. Donc, ça compte ? Du coup, c'est international. Ça compte. Et comment ça se déroule ? C'est un peu comme l'Eurovision. C'est-à-dire ? C'est la fanfare qui gagne, qui organise le concours, le prochain concours. Et donc il y a un thème qui est donné assez longtemps à l'avance. D'accord.
Et chaque fanfare prépare un spectacle d'une dizaine, quinzaine de minutes. Et il y a un jury qui est là, donc qui juge les fanfares. Ça marche à l'applaudimètre ? Après, il y a des critères de respect du thème, de mise en scène aussi, parce que la fanfare, c'est de la musique, mais c'est aussi surtout super visuel. Bien sûr. Donc le thème, la mise en scène, l'originalité aussi de la musique. Donc voilà, après, il y a des classements, mais qui restent très... c'est entre nous, et puis on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Donc le seul truc, c'est celui qui gagne, il a la tâche d'organiser le prochain concours. Donc là, ce sera pour nous en 2015 à Rouen, puisqu'on a gagné le dernier concours à Bordeaux. C'est même pas une compétition, en fait. C'est même pas du tout une compétition, parce que peu importe le gagnant, le but, c'est de se retrouver tous les 3 ans, parce que le concours est tous les 3 ans, de se retrouver tous ensemble tous les 3 ans, parce que c'est des fanfares un peu partout en France. Okay. Donc il y a Bordeaux, Lille, Rennes, Marseille, Nice... Donc cette année, c'est vous qui gérez l'orga. Pour les 3 ans, c'est nous, donc ce sera en juin ou juillet 2015. D'accord. Alors, il y a des beaux instruments, hein, François. Je crois que c'est une trompette. Vous pouvez me passer la trompette, là, parce que... J'adore ça, Sylvain. Tu connais, Sylvain, la trompette, la carioca, si vous êtes fidèle de l'émission, ça me rappelle la carioca. Évidemment. Vous êtes très sympa, vous avez des choses très intéressantes à dire, mais on aimerait bien entendre un peu de musique, François. Eh bien, on va en entendre, on va juste parler un petit peu, vite fait, de votre deuxième CD. Oui. Qui est disponible. Dites-nous. Disponible en 2 secondes. Alors pas en magasin parce qu'on fait pas de. On verra peut-être. Écoutez François, je vous suggère qu'on en parle peut-être juste après et puis on écoute les images. Déjà. On écoute la musique. Allons-y, c'est voilà. Parti. Allez, on part avec vous en fanfare. Donc là, on bascule déjà, ça fait déjà 5 minutes en fait. Oh!
Félicitations donc à cette fanfare. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Un superbe concert en direct complet. Bah écoutez, j'aimerais qu'on finisse cette émission tous ensemble. Allez, Félix, venez nous rejoindre. C'est la fête sur le plateau de la Quotidienne. Rodolphe, venez nous rejoindre. Date de la porte. Stéphanie Jus également. Je vois Stéphanie qui est là. Je vois Gérard Marie qui est là. Venez Gérard, venez avec nous. Gérard Marie. Mettez-vous devant Gérard, venez ici. Venez avec moi. Voilà Gérard Marie, un jour on vous le présentera plus en avant en plateau. Et puis également le graffeur Cornu. Il est bien correct. Excusez-moi. Alors voilà, juste pour terminer, pour être sérieux deux secondes, dites-nous, moi j'aime bien connaître l'intention créative des artistes. Alors vous nous avez fait quoi là, expliquez. Bah là c'est une petite dédicace pour LCN qui nous a accueillis, oui. Et puis pour la vache folle, voilà, tout simplement. Donc vous avez effectivement fait un mélange. Voilà, c'est une synthèse entre la télévision et la performance artistique de la vache folle. Voilà. Le TADI de la campagne, là c'est le vrai. Bien, bah écoutez chers amis, merci. On adore quand les quotidiennes se terminent comme cela, dans une fête totale. Je propose à nos amis de finir en musique, à vos instruments. On termine, on a adoré faire cette émission avec vous. Et voilà, je ne sais pas ce qui se passe, on me donne... Allez, à vos instruments, on termine. Allez, c'est reparti.